Parce que le vrai voyage, c'est quoi? C'est le point d'arrivée ou c'est ce qui sépare le point de départ du point d'arrivée? Donc je cherche. Alors on est au Nomad Festival 2e édition. Donc moi c'est Laetitia, je suis la fondatrice de Babel Voyage. Babel Voyage qui est l'organisateur du Nomad Festival conjointement avec l'Office de Tourisme de Cergy-Pontoise où on se trouve. L'idée de ce festival c'est évidemment de mettre à l'honneur le voyage responsable et engagé. Et l'objectif c'est pas de dire comment voyageur des sentiers battus, parce qu'il n'y a pas une bonne façon de voyager, il y a autant de façons de voyager que de voyageurs je pense. Pourquoi à Cergy-Pontoise? Parce que Babel est originaire du Val d'Oise et qu'on a rencontré l'Office de Tourisme de Cergy-Pontoise il y a un an et demi de ça maintenant et que ça a matché, la rencontre s'est super bien passée. Alors la programmation du festival, donc l'ouverture avec la Colombie à l'honneur qui est la destination révélation du Nomade 2 avec Richard Boringer et Stéphanie Ledoux qui étaient nos grands invités du festival. C'est un pays immense et une multitude aussi, toute petite multitude de l'humain. Je n'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Ensuite, on a eu Maurice Freund, pareil, un grand monsieur aussi du voyage, puisque c'est un peu le fondateur du charter et de l'agence Point Afrique que connaissent vraiment les vrais baroudeurs. Salut, moi c'est Brian de l'équipe Solid Dream. Et je suis venu présenter notre premier film sur un voyage autour du monde à vélo de 3 ans et 54 000 km sur tous les continents. Salut, c'est Luc Floc et aujourd'hui on présente le film Génération Expat. Expat. Génération quoi? Expat, je crois. Au Nomad Festival. Je m'appelle Stéphanie Ledoux et j'ai un métier de chanceuse parce que je suis carnetiste de voyage, c'est-à-dire que je voyage munie de mon carnet et de mes crayons et je rencontre les gens et je les dessine. Des concerts des Caraïbes, de Colombie, musique un peu d'Amérique du Sud. Un apéro voyageur le samedi soir, une programmation vraiment super riche là sur cette 2e édition.